Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Vous l'avez constaté, nous sommes en direct de la permanence de l'UDPS où nous sommes partis à la rencontre de quelques membres du parti présidentiel, l'UDPS. Vous l'avez constaté, nous sommes avec M. Georges, c'est un habituel en tout cas de nos émissions. Il a toujours répondu à nos questions, il intervient toujours dans nos entretiens. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur les journalistes et bonjour les téléspectateurs. Nous sommes le jeudi 5 mai. Ce matin, nous revenons sur un sujet d'actualité et qui continue à susciter en tout cas de vives réactions dans les chefs des Congolais. C'est la question Matata Ponyo. Voilà. Mais avant qu'on en parle, permettez-moi en tout cas, comme on est au Nord Kivu, j'ai toujours l'habitude de commencer par les actualités qui nous concerne beaucoup plus, ce sont des informations liées à la sécurité. Monsieur Georges, l'IDPS, comment vous évaluez en amont la situation sécuritaire au Nord Kivu? Comme vous venez de le dire et vous venez de l'évoquer, actuellement, la situation sécuritaire est totalement sous contrôle. Et comme tout le monde du Nord Kivu le sait très bien, de l'est à l'ouest, du nord au sud, la province est quasi-totalité calme, sauf peut-être quelques cas isolés. Mais depuis, ça fait 2 semaines et aujourd'hui, vraiment, la situation va très bien. Même les renégats M23 qui semblaient déranger les gens ont été totalement maîtrisés par nos FARDC. Bravoure à nos FARDC, merci beaucoup pour ce travail, combien de fois louable. Et voir même à Beni, où on semblait toujours être en insécurité, mais ça fait 2 semaines, vraiment, la situation est calme. Et nous saluons cela vraiment très bien, FARDC. Vous méritez nos félicitations, vous méritez notre façon de vous remercier vraiment. Nous sommes très, très, très contents de cette façon-là de faire les choses parce qu'au moins, la province a récupéré une accalmie, même si elle est encore relative, mais au moins, on croit que l'accalmie va continuer de cette façon-là et tous les Nord-Kivusiens seront dans le calme. Au lendemain de la prolongation pour la 20e fois de l'état de siège, nous l'avons en tout cas appris. Et d'ailleurs, nous le savons bien, hier soir, il y a le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a réuni autour de lui les élites du Nord qui voulaient de l'Ituri ainsi que les sénateurs. Ils ont parlé, ils ont échangé à propos en tout cas de l'état de siège. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vers la fin de cet état de siège, bien que ces élites continuent en tout cas de demander la levée, disons que l'état de siège soit levé? Bon, à mon avis, moi personnellement, je ne voudrais pas que l'état de siège prenne fin aujourd'hui, parce que au moins aujourd'hui, avec l'état de siège, vous avez vous-même remarqué qu'il y a un accalmie. Avec l'état de siège, vous avez remarqué qu'il y a les intouchables sont devenus des touchables, les intouchables d'hier, les gens qui étaient vraiment les impossibles d'hier, aujourd'hui, ils sont déjà à la droiture. C'est vraiment bien. Maintenant, comme il y a encore du travail à faire, moi, je voudrais que la situation redevienne d'abord calme d'une manière totale pour qu'on songe à vouloir mettre fin à cet état de siège. Mais dire que, comme les certains politiciens mal intentionnés qui disent que l'état de siège c'est un business pour certaines personnes, non, ça c'est ce qu'on appelle une politique négative. Donc les gens veulent toujours nous ramener dans les appétits du mal. Aujourd'hui, non, on doit déjà évoluer et la population est témoin. À Rutshuru, à Beni, à Walikale, partout, au moins, la population a quand même senti que
la calmie a commencé à s'installer. Et bientôt, nous allons faire les chats comme dans la 7 ans. Alors, parlons politique. En tout cas, je tenais que je développe ce sujet avec vous, parce que vous êtes de l'IDPS, un parti au pouvoir. Alors, à la clôture, mardi 3 mai, du premier congrès de son parti politique, leadership et gouvernance pour le développement, le sénateur Augustin Matata Ponyo a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023. L'ancien premier ministre motive sa décision par la situation d'instabilité et de précarité dans laquelle évolue la République démocratique du Congo. Matata Ponyo s'est dit déterminé à instaurer un leadership et une gouvernance de qualité. Matata Ponyo, candidat aux élections présidentielles 2023, fera face au président Tshisekedi. Vous avez suivi sa motivation. Oui. Comment l'IDPS a reçu cette annonce de Matata Ponyo comme candidat aux élections de 2023? L'IDPS honore Kivu. Comme vous le savez, nous l'avons toujours chanté, l'IDPS, dans sa configuration, c'est un parti démocratique. Et d'ailleurs, l'IDPS est appelé, à d'autres termes, un temple de la démocratie. Et si Matata Ponyo peut extérioriser ses ambitions, il est libre, c'est la démocratie. Et d'ailleurs, moi, je l'encourage à mûrir cette ambition-là et à l'amener jusqu'au bout. Et pour nous, je pense que d'ailleurs les élections sont bonnes quand il y a une compétition, une réelle compétition. Mais qu'il vienne au terrain de la démocratie. Oui, c'est bon pour cette démocratie, mais en suivant ses propos, sa candidature, elle est motivée. Le fait que la situation donc, au pays, il évoque que sa décision, vous voyez, la précarité, il y a l'instabilité. Donc pour lui, rien ne marche au pays. Il semble mettre en cause votre gestion du DPS. Comme tout opposant, il est libre de le dire, mais soyons quand même sérieux. Est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison. Il n'en aura même pas raison. Vous pouvez le prouver. Si aujourd'hui, par exemple, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, et si nous sommes en train de faire ce que nous faisons aujourd'hui, la situation que nous rencontrons sur le terrain a été installée par Matata. C'est Matata qui a installé toute cette insécurité avec son ami Kabila. L'insécurité que nous sommes en train maintenant de combattre aujourd'hui, l'insécurité qui a été installée pendant des années, c'est avec la grande contribution de Matata. Mais pour l'IDPS, Matata n'a aucune leçon. D'ailleurs, pas un modèle. Effectivement, Matata n'a aucune leçon à apprendre aux Congolais. Et d'ailleurs, moi je dirais que Matata est en train d'ailleurs de cracher sur les Congolais. N'est-ce pas lui qui a créé cette insécurité, cette précarité économique? C'est Matata. Mais pour certains Congolais, Matata reste l'un des meilleurs premiers ministres que la RDC a connu. En fait, les aveugles politiques croient que Matata Ponyo a fait quelque chose. Mais non, aujourd'hui, si Matata Ponyo avait fait quelque chose, l'économie serait une économie prospère aujourd'hui. Imaginez avec toutes ces richesses que nous avons, mais Matata n'a rien laissé dans la caisse. Matata a construit combien de routes? Matata a relié combien de milliers? De l'est à l'ouest, il a laissé combien de kilomètres de routes? On a vu comment il a construit chez lui. Combien de kilomètres? À Kisangani. Non, chez lui, c'est à Kindu. À Kindu, il n'a presque rien fait. Les petites choses qu'il a fait à Kindu, ok, c'est bien, c'est quand même quelque chose, mais par rapport aux moyens qui étaient à sa disposition, il n'a presque rien fait. Imaginez la ville de Kindu, c'est la seule ville de la République qui est enclavée. À quoi bon construire une villa dans une forêt où il n'y a même pas de route? Parce que c'est cracher sur les gens.
Matata n'a pas de leçons à prendre aux gens. Et d'ailleurs, la population elle-même sait très bien que Matata, c'est parmi les sorciers même de cette population. Matata avait Kabila. Il n'y a pas Kabila, il n'y a même pas Matata, il n'y a pas Mouzito. De quoi vous accusez tous Matata? Est-ce que le fait qu'il a travaillé avec Kabila? Tout d'abord, hein, si aujourd'hui on dit que Kabila n'a rien fait, qui était sa mallette? Sa mallette, c'était Matata. Son caissier, son comptable, c'était qui? C'était Matata, non? Alors Matata n'a pas de leçons à nous apprendre, n'est-ce pas, mes chers frères? Matata, oui, c'est la démocratie, il ne peut que faire ce qu'il veut, mais sur les leçons de précarité, insécurité, je sais pas, et autres choses, ce sont des choses que nous avons héritées de Matata. Nous sommes des héritiers du mal que Matata a causé dans ce pays. Et tout le monde le sait. Ce n'est même pas une histoire. Matata n'a même pas encore fait 10 ans qu'il a quitté le pouvoir. N'est-ce pas que... Parce qu'il a déjà quitté le pouvoir au moins. Il est encore même dans le pouvoir. Bon, aujourd'hui, il est sénateur au moins. Mais au moins, quand il était à l'exécutif, il n'a presque rien fait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les gens de l'UDP sont pères de la candidature de Matata? Non, c'est pourquoi moi je voulais, d'ailleurs moi je l'encourage. Vous savez qu'il pèse, hein? Il pèse pour ceux qui n'ont pas de mentir politique. Il pèse pour certaines personnes qui ne sont pas peut-être, qui ne voient pas très loin. Mais Matata, nous avons gagné les élections en 2018, avec quand les Matata étaient encore au pouvoir. Ça a été contesté. Et maintenant, aujourd'hui, ça a été contesté. La contestation est aussi démocratique, c'est vrai. Nous avons été à la cour Il y a Fayulu qui continue à revendiquer constitutionnelle. La victoire. Fayulu, vous me faites encore revenir chez monsieur. En tout cas, je suis très content de cette question. Fayulu n'a pas su comment convaincre l'opinion nationale, même internationale, de sa victoire. On lui a laissé toutes les portes ouverte, d'accord, grandement ouverte. Georges, permettez-moi. Revenons chez Matata. Oui. Matata, oui, nous l'accueillons. La compétition, elle est déjà là. Il n'a qu'à exprimer ses vouloirs et surtout ses ambitions politiques. La course au pouvoir, Dieu merci, qu'il vienne, qu'il mesure aussi son poids sur le plan politique. Nous serons au terrain avec lui. Mais cependant, bon, j'ai encore peut-être à nuancer. Matata a aussi des problèmes d'ordre juridique. Oui, s'il vous plaît. Georges, on va y arriver. Oui. On va y arriver. Permettez-moi que je pose cette question. Est-ce que pensez-vous que les Congolais devraient plutôt faire confiance ou bien accorder la chance à Matata Ponyo aussi de gérer peut-être ce pays et voir qu'est-ce que ça va donner? D'ailleurs, moi, je dirais aux Congolais de ne jamais donner encore l'occasion à Matata de vouloir revenir à l'exécutif du pays pour venir encore ruiner davantage ce pays. Il est parmi les gens qui ont ruiné le pays. Mais en suivant, s'il vous plaît, en suivant, dans ce discours, il a d'ailleurs affirmé d'avoir un rêve comme celui de Lumumba, de Mobutu, de Kabila, de Étienne Tshisekedi et de Nelson Mandela, consistant à construire un Congo puissant au cœur de l'Afrique avec une armée et une économie forte dans un état de droit où la justice n'est pas instrumentalisée. En fait, il se trompe. Qu'est-ce qui lui a manqué quand il était premier ministre pour installer ce qu'il appelle aujourd'hui bonne gouvernance? Il veut être le commandant suprême. Il l'a été. Je pense que Kabila a agi moins. Matata a agi plus que Kabila. Matata a été premier ministre d'un grand pays, chef du gouvernement, d'un grand pays comme celui-ci. Il a été le premier caissier de l'État. Qu'est-ce qui lui a manqué pour qu'il installe ce qu'il appelle aujourd'hui un État fort? Il n'a pas de leçons à prendre aux Congolais. Ça, c'est ce qu'on appelle des discours politiques. Il n'a pas de leçons. Est-ce qu'il a un matériel vraiment qu'il peut nous brandir et dire que moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et grâce à moi, les Congolais mangent trois fois par jour? On lui a donné même le privilège de gérer Bukangalonzo. Aujourd'hui, Bukangalonzo... Parlons de cette question de Bukangalonzo, mais jusqu'à là, on a suivi ce qui se passe dans la justice congolaise, mais même en suivant ces propos, vous attendez que Matata Ponyo veut en tout cas gérer le pays. Donc, il veut construire un État des droits où la justice n'est pas
instrumentaliser selon lui. Pour vous, ça vous dit quoi? Parce qu'on a suivi ce qui se passe à faire Bukangalonzo, où il a dénoncé, entre guillemets, l'instrumentalisation de la justice congolaise. Mais il faut préciser que jusque-là, la justice congolaise n'a jamais démontré que Matata Ponyo aurait détourné les faux comme certains Congolais le disent. En fait, la justice a sa démarche, la justice a sa façon de faire ce qu'on appelle de progresser. La justice a la manière de faire ses histoires. Mais Matata Ponyo n'est pas encore abandonné dans le viseur de la justice. Matata Ponyo a encore des dossiers qui pèsent sur lui. Et s'il dit que la justice a été instrumentalisée, ça n'engage que lui. Tous les juges qui font la justice aujourd'hui ont été, la grande partie, ont été nommés par les Matata et ses compagnons. Quand il dit qu'ils sont instrumentalisés, c'est-à-dire c'est lui le premier élément à instrumentaliser la justice, parce qu'au moins lui a une très grande connaissance, une large connaissance sur ces juges-là qui ont a été d'ailleurs investi pendant son règne. Est-ce que vraiment l'affaire Bukangalonzo, ce ne sont pas vraiment des encharnements, s'il faut le dire comme ça, visant à l'écarter, surtout à l'élection de 2023 comme candidat président de la RDC? En fait, moi je suis en train de regretter quand il parle de Bukangalonzo, quelque chose d'estimant pour lui écarter. Non, Bukangalonzo ne date pas d'aujourd'hui, non plus de 2023. Bukangalonzo, c'était un projet de l'État où on a investi beaucoup de moyens de l'État, dont Matata Ponyo était le premier gérant. Mais Bukangalonzo n'a rien servi jusque-là à la population. Cet argent qu'on a investi à Bukangalonzo, qui le détient? Si ce n'est pas Matata Ponyo, ou Matata Ponyo qui connaît cela, qui garde cet argent, il doit justifier. Le pays appartient à tous les Congolais. Le pays n'appartient pas à Matata. Bukangalonzo, c'est une ferme industrielle qui allait sauver beaucoup de vies. Aujourd'hui, on parle de la crise alimentaire. Si Bukangalonzo réellement existait et s'il a été bien géré, d'ailleurs, Matata serait peut-être parmi les rares personnes qui feraient référence. Mais malheureusement, Bukangalonzo a été même abandonné, l'argent a été dilapidé, on a détourné l'argent au solde de la population congolaise. Et si Matata Ponyo peut aujourd'hui parler d'une précarité, d'une injustice, n'est-ce pas, d'autre chose qu'il est en train de peut-être de brandir, moi je crois que quelque part, il n'a pas raison, et quelque part, Cette même gestion qui l'aurait installée lui rattrapera. Professeur, les élections approchent. Permettez-moi que je pose cette question-là. Parce que quand j'ai annoncé le sujet, il y a eu des internautes qui m'ont demandé de vous poser cette question parce qu'on a le privilège de vous interroger en tant que parti présidentiel. Bien que vous soyez en tout cas de l'IDPS, il y a des internautes qui veulent savoir. Est-ce que pensez-vous que si on mettait Matata Ponyo et le président Tshisekedi, on voyait tout ce qui se passe au pays, est-ce que pensez-vous que Tshisekedi peut battre Matata Ponyo aux élections à venir? Mon frère et tout le monde qui me suit sur la télévision, on sait très bien qu'entre Félix et Matata, il n'y a pas match. Félix, c'est un grand baobab. Qui peut gagner Félix dans ce pays? Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui peut gagner Félix. Il y a d'autres candidats qui pèsent. Hein? Comme qui, par exemple? Vous connaissez qu'il y a ces candidats qui sont là, vous les connaissez? Qui, par exemple? Il y a Matata Ponyo. Fayoulou. Là, j'appelle. C'est comme un match entre Real et Virunga de Goma. Il n'y a pas match. Vous savez que Kamere va revenir. Kamere? Ok. Kamere? Je pense que Kamere n'a pas encore réglé sa situation. Mais au-delà qu'on a annoncé en tout cas la reprise du procès 100 jours les 11, d'ailleurs d'ici là, dans quelques jours, mais peut-être ça sera la dernière cartouche ou bien la dernière chance pour Kamere. Mais au-delà de Kamere, vous savez qu'il y a d'autres candidats, il y a d'autres grands persos comme les Katumbi, vous savez, vous êtes au courant de sa popularité au pays. En fait, d'abord dossier Kamere, si réellement Kamere n'a pas volé, il sera acquitté. Mais s'il a volé, il ne sera pas acquitté. C'est
membre appartenait à Fatshi. Bien sûr, nous avons été ensemble, mais nous ne nous sommes pas convenus pour aller voler la République. On s'est convenus pour bien diriger la République. Et c'est pourquoi Kamer s'est alors rendu voleur et il a été rattrapé par la justice. Et son dossier traîne à la justice. Mais quand vous me parlez de Katumbi, Katumbi, c'est une fabrication kabyliste. Aujourd'hui, c'est lui qui peut recourir à Katumbi. C'est comme quelqu'un qui veut se noyer. Il veut maintenant prendre, il veut prendre un crapaud dans la mer pour lui sauver. Mais quand vous dites que c'est une fabrication de Kabila, vous savez, Kabila, quand même, il fit un chef de l'État de ce pays. Il a dirigé la RDC pendant plus de 18 ans. Nous lui devons tout ce qu'il a fait pour ce pays. Et d'ailleurs, grâce à lui, on a eu la première alternance au pays. Vous le savez, je vous rappelle juste ça. En fait, bien sûr. Il a pris peur de la démocratie. En fait, bien sûr, dans le monde, ce monde, monde politique, chacun a son passé. Je ne refuse pas que Kabila a dirigé le pays. Mais maintenant, quelle manière de diriger ce pays, si réellement Kabila a bien dirigé, au moins nous tous Congolais ne serions plus dans cette misère. La misère serait peut-être moindre. Mais imaginez aujourd'hui cette misère dans laquelle Kabila nous a laissé, c'est celle qui nous attrape aujourd'hui. Maintenant, avec ce qui est d'aujourd'hui, d'accord, vous avez remarqué qu'il y a espoir dans la population. Merci beaucoup. Et parce que les choses commencent à changer. Merci beaucoup, Georges. Nous tendons vers la fin de cet entretien. On va tirer en tout cas la conclusion par rapport à au sujet. Il y a Matata Ponyo qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. On ne sait pas, jusqu'à là, l'UDPS n'a pas encore organisé son congrès pour annoncer leur candidat. Mais on sait bien que ça pourra être bien sûr le chef de l'État qui est là, parce que je ne vois pas, je sais que tu as aussi lâché le pouvoir. Et moi, en tout cas, à vos militants, et par rapport à cette candidature de Matata Ponyo, bien que ça fait peur déjà dans les cas, tu sais que tu... En fait, je le répète, Matata ne peut pas faire peur à l'UDPS. L'UDPS, c'est un grand parti, c'est une machine démocratique. Et d'ailleurs, moi, j'encourage toujours Matata de venir sur le lieu de la compétition. Donne-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Et qu'il vienne sur le terrain de la démocratie. On va voir qui est Matata et on va voir qui est Félix par rapport à l'électorat. D'accord. Très bien, on l'encourage. Mais nos militants, un mot pour les militants, je sais très bien qu'on n'a pas encore fait le congrès, mais le congrès va venir d'ici là. Et tous les militants de l'UDPS, ils sont engagés à réélire Tshisekedi avec une majorité écrasante. Merci beaucoup. Nous retenons ça comme votre conclusion, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien que nous avons réalisé en direct de Goma. Nous sommes rendus à la permanence de l'IDPS, parti présidentiel. Merci beaucoup, Georges, de n'avoir répondu à nos questions. Et merci à tous les militants et cadres qui ont assisté en tout cas à ce débat, à cet entretien. Merci de nous avoir accueillis. Ok, je vous remercie, mais mon grand remerciement, c'est d'abord aux vaillants combattants de FRDC qui sont en train de nous convaincre sur terrain qu'ils sont capables de quelque chose. Aujourd'hui, vraiment, moi, j'ai bravoure à nos vaillants combattants. Merci beaucoup à nos généraux Sokola 1, Sokola 2. Je passe au commandant, au gouverneur Constant Ndima, grand merci, bravoure merci à tous les combattants qui se donnent, qui affrontent la mort à cause de nous protéger, nous, population du Nord Kivu, vraiment. Coup de chapeau à tous les Congolais qui sont inscrits dans la logique de Félix, la vision de Félix. De donner un vrai changement à ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, professeur. Merci. Merci en tout cas, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Merci pour votre fidélité. Laissez vos commentaires, abonnez-vous sur notre chaîne. Surtout, n'hésitez pas à partager en tout cas cet entretien si vous l'avez aimé. Merci, on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Je vous rappelle que nous sommes revenus sur l'affaire Matata Ponyo.
qui a annoncé sa candidature. Nous sommes également, nous avons fait en tout cas un clin d'œil à ce qui se passe au Nord Kivu par rapport à la situation sécuritaire, l'état de siège. Merci. N'hésitez pas de nous suivre. On est là, c'est Congo Live. Merci beaucoup.